Salut tout le monde, ici les mainstream. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va réagir à la nouvelle vidéo de Thibaut Inchia. Pourquoi? Parce que dernièrement, Jujuficat, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Jujuficat dans le lien de la description maintenant. Je vais spoiler dans 3, 2, 1. Voilà, Jujuficat a fait une nouvelle vidéo comme quoi il a fait musique pour clasher Timbo à la version Squeezie et Cyprien comme à l'époque. Donc du coup, on va réagir à la réponse de Thibaut Inchep qui va clasher Jujuficat et Thibaut a intérêt à mettre tout le paquet. Et aussi, je vais laisser un sondage juste en haut. Je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Un sondage pour voir quelle musique vous préférez plus entre Jujuficat et Thibaut. Et je vais, voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et on est parti. D'abord, je mets mon casque, c'est très important. Parce qu'en ce moment, il y a des gens à côté. Voilà. Et bonne vidéo. Et on démarre. Oh, la seconde. Oh, Timbo. Ok, Juju, c'est parti, c'est parti. Vas-y. Si tu souches, je refais un concours pour trouver la bonne. Où je fais l'amour et dans le pré, vu que j'aime les meules et les cochonnes. Tu veux que je te passe l'anneau? On dirait Gollum, je te confonds avec les momies à chaque fois que je t'emmène au Louvre. Plus ça va, plus je le préfère quand tu dors. Plus t'es là, plus je te préfère quand tu sors. Vu que t'es moitié italien, s'il te plaît, parle qu'avec les mains. Tes abonnés seront de mon côté, tes abonnés, c'est les miens. J'espère que tu vas bien. Oh, il est pas fort, Thibaut. En plus, t'es plus souvent sur Malaise TV que sur ta propre chaîne. Justine, je sais que ce match est trop violent pour la radio. Si je couche avec toi, c'est juste pour bosser mon cardio. Justine, t'es juste out. Justine, t'es juste out. Oula, Thibaut va fort. J'ai trop violent pour la radio. Si je couche avec toi, c'est juste pour bosser mon cœur. Première cuite, t'avais 9 ans. Je crois que t'as des séquelles. Arrête de mater mes fesses quand je fais la vaisselle. Sur TikTok, tu fais des grimaces. On dirait v'là la dingue. Oui, je t'ai choisi. C'est bien connu que j'adore la dinde. Je crois que t'es une légende. Comme la bouffe sans sel, t'es fan. Je voulais une femme, j'ai une fan. N'oublie pas, pour toi, j'ai arrêté les Daddy Meules. Tu peux finir comme les Didi, on peut finir comme les Beatles. Bon, elle a un peu technique celle-là, mais c'est pour dire que les Didi, elle a mal. Hey, il est fort Thibaut, hein. Il est vraiment fort. En gros, mais si tu reviens faire chier, bah, tu seras juste out. Ok, Justine, t'es juste out. Je sais que ce clash est trop violent pour la radio. Si je couche avec toi, c'est juste pour bosser mon cardio. Justine, t'es juste out. Justine, t'es juste out. Je sais que ce clash est trop violent pour la radio. Si je couche avec toi, c'est juste pour bosser mon cardio. Voilà, la fin m'a tué. Ouais, Thibaut, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais what? Mais il est fort, Thibaut. Hein. Je pensais pas que. Waouh. Alors, je sais pas ce que vous allez dire dans les commentaires. Bon, même dans ces commentaires. Attendez, je regarde ces commentaires. On attend le rap clash de votre chat maintenant. Il manquait plus que le chat. Il y a aussi. Ah, je suis KO. Oh, ouais, tu m'étonnes. Maintenant, le débat final. Le débat final. Ah oui, c'est vrai. Bon, pour la vérité, je préfère plus le clash de Jujuficat parce que on voit que Jujuficat a mis des choses beaucoup plus entraînantes que ce qui. Que celui de Thibaut Inchep, parce que version rap, bon, c'est vrai que c'est son style, mais après, bon, il s'est amélioré dans les musiques, ça va, ça va.
Mais après, la façon qu'il clashait, comme quoi, voilà, et qu'il couche pour sa radio, tout ça. Ouais, quand même. Je sais pas, ce sera comment les réactions des autres personnes, des autres youtubeurs, parce que là, juste après que, dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo, c'est sûr que je vais aller voir direct et voir leurs réactions. C'est sûr qu'ils vont se dire, waouh, Thibaut a fait des masses. Et l'autre, il va dire, oh, je préfère plus JeuxFicaces. C'est plus stylé, on comprend mieux les sous-titres. Mais c'est sûr qu'au fil du temps, quand vous allez continuer à regarder sa musique en boucle et que vous allez bien lire les sous-titres, vous allez comprendre. Là, j'ai pas trop, j'avais du mal à lire les sous-titres parce que c'est vrai que la première fois que je regarde une vidéo, j'ai pas très, je suis pas vraiment très concentré aux sous-titres, mais je suis beaucoup plus concentré à la musique et à ses paroles. Ça, c'est bien. Mais après, bon, après la deuxième fois, ainsi de suite, c'est là qu'on se rend compte. Voilà, c'est waouh. Mais voilà. Et bien sûr, je vais mettre une note sur 10 par rapport à la vidéo de Jujuficat et celui de Thibaut Inchep. Sincèrement, je mettrai un note de 7, non, 6 et 6 et demi pour Thibaut Inchep. Désolé, 6 et demi, pas plus. Et pour la note de Jujuficat, je le mettrai un 8 sur 10. Je le mets à 8 sur 10 parce que c'était beaucoup plus entraînante et c'est très compréhensible. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup, on va s'arrêter là. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle musique vous aimez le plus. Soit Jujuficat ou soit celui de Thibaut. Parce que je pense que Jujuficat a clashé Thibaut. Mais bon, jusqu'à maintenant, on a attendu la réponse de Thibaut. Maintenant, on l'a eu. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas aussi à suivre mon Instagram qui est ma-extrême-YT. Et sur ce, ciao!